Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo! La troisième de la journée concernant le pay-per-view Payback. Et on va faire un petit match qui oppose Keith Lee face à Randy Orton. Le premier match de Keith Lee dans le main roster. Aïe aïe aïe. Ça peut être très 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 bon. Moi, pendant le jeudi, il va gagner. Un peu comme Matt Riddle. Ouais, je dis, les nouveaux vont gagner. Est-ce qu'on aura une bonne surprise? Est-ce que Randy Orton va subir deux défaites à la suite, après celle face à Drew, bah, peut-être que maintenant aussi, enfin quand je dis à la suite, peut-être que dans l'autre partie de pay-per-view, il avait perdu aussi, je sais plus. Hein. Je veux dire, bon, à la suite, voilà, coup sur coup, je ne sais pas. Et j'avoue, j'ai voulu prendre Keith Lee aussi, bah, parce que il y a un challenge. Dans le jeu, il est noté, je crois, 77, 76, ou un truc comme ça. Du coup, ça rend le match beaucoup plus difficile pour moi, et c'est ce que j'ai envie. Voilà. C'est ce que je veux. Mais t'inquiète, les coups de coude, les coups d'épaule, les coups du tibia, les coups de boulet, les coups de fessier aussi. On va tout donner. Je vous le dis. On va essayer de contrer aussi au maximum, parce que on sait tous que Randy Orton, ah ouais, un RKO, et ça y va. Il l'a balancé en mode, c'est qui est-ce? Alors, mets-toi ici, on va travailler un petit peu ton cou, ta nuque, tes cervicales, tes trapèzes. Ah, ça lui a peut-être pas plu. J'avoue, subir ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Viens là. Voilà. À pied joint, on y arrive. N'hésitez pas, d'ailleurs, à pronostiquer. Comme d'hab, vous connaissez la routine. Hein. Vous pouvez pronostiquer qui, d'après vous, va gagner ce match. Et en vrai, voilà. Ça me fait plutôt peur. Randy, comme ça, il me met sur le coin. Ah non, non. Tant qu'il fait pas son tour de lamentation, tout va bien. De toute façon, il n'en a pas encore la possibilité. Et non. Je t'ai dit, tu ne mourras pas comme ça. Ça va être beaucoup plus difficile que tu le penses. Là, tu te dis, c'est un match, ouais, gagné et tout. Ça y est, j'ai perdu mon titre NXT. Mais non, pas comme ça. Je vais te donner du fil à retordre. Viens là. Oh, t'as de la chance. Oh là, une belle patate. Malheureusement, on n'a pas assez bien ajusté la longe, la distance. Calme-toi, s'il te plaît. J'ai dit s'il te plaît. D'accord? Alors, je vais t'enchaîner. Hi, voilà. Avec ça, est-ce qu'il va pouvoir se relever? Jamais de la vie. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a plus rien à l'écran, là? Il y a une personne qui arrive? Allô? Ah, le jeu. Randy s'est allongé. Mais il est mort, en fait. J'ai pas vu se relever, hein. Non. Quelqu'un l'a vu se relever? Non, c'est pas moi. Oh, Dolph Ziggler qui arrive. D'accord. Ah bah j'avoue, j'avais vu, hein. Mais je pensais juste que c'était en mode il divertit et c'est Randy qui va se lever. Ah, vous voulez jouer à ça? En fait, moi, ça me fait rire. Ça veut dire que je suis beaucoup trop fort pour vous et que vous avez besoin d'être à deux. Mais tu vas voir. Hop là. Pied. Presque pied joint. Et non. Viens là. Parfait, ça. Vas-y. Bien joué. C'est ça qu'on veut. Allez, retourne comme une crêpe. On s'occupe de son bras. Maintenant, on va essayer de s'occuper de son visage. Ah non. Ça fonctionne une fois, mais pas deux. On va peut-être mettre aussi le char d'assaut en marche. Ouf. Bien joué. J'ai mal, hein. Je vous le dis. Chaque coup de Randy, ça fait des bobos. Allez, vas-y. Bien joué, ça. Et ouais. Debout, alors. Debout. Debout. Attention. Et boum. Ah, je vais vous faire le tournoi enchaîné. Il a pas voulu. C'est pas grave. S'il te plaît, fais-le tomber. Toi-même, Randy, il se tourne. Et un. Et deux. Et non. Malheureusement, le 3 n'est pas passé. Et en plus, ah si. Il a fait sa révolte. À voir. Je pensais que c'était pas passé, bah. En fait, tranquillement. Non, mais toi. Si tu fais coup du bélier, fais gaffe, hein. Je te dis tout de suite. Je te dis tout de suite, voilà. C'est vrai que tu me fasses ça. Ça me manque un peu de respect, mais je préfère. Que le coup du bélier, il m'appartient. D'ailleurs, je vais te faire une petite spéciale Nacerou. Viens. Viens là. Tout le monde l'attend. Attention. Hop, on esquive, on y va. Et bim. Voilà. Ça, tu l'as mérité. Let's go. Troisième corde.
On sait plus où est-ce qu'on est là. Oh, Popo Guigui. Popo Guigui. Ça fait mal. Je sais même pas comment on peut se relever aussi rapidement. Après ce qu'on vient de subir. Oh là là. C'était pas voulu. Hein. Mais si c'était à refaire, eh bien je le referais. Et voilà. Voilà une belle plante. Ouais, t'as du mal à te relever, t'inquiète. Je vais te faire la double. Ouais, je pense qu'il a compris. On met un peu trop de temps pour s'envoler. Salut. Bien, je t'attends. Et voilà la petite patate. Tu l'as apprécié? Est-ce que tu l'as apprécié? Ouais. À voir que non. Bien joué. Et non. Viens là. On va te mettre ici. Face aux cordes. Comme dirait Calogero et Passy. Face à la mer. Je t'ai vu grandir. Face contre terre. Je sais plus la suite. On peut pas tout savoir, hein, oui. Alors, toi, hop là. Bien joué, ça. C'est ça qu'on veut. C'est peut-être pas assez pour le finir. Je pense que c'est pas assez. On va devoir l'enchaîner un tout petit peu plus. Mais par contre, physiquement, je suis à bout. On peut le voir. Et Randy en profite. Mais il me reste encore un tout petit peu de force pour placer une attaque. Il faut qu'il passe. Oh là. Attention. Oh là là. Ça, on adore. Allez, le match commence à s'envenimer un petit peu. Faut faire gaffe parce que Randy a un finisher. On le sait. Il me griffe. Oh, ça contre sur contre. Oui. Allez. Bien joué, ça. Et ouais. Tu croyais faire quoi? Tu pensais faire quoi face à moi? On s'occupe de toi, attention. La guillotine. On le découpe. Et on le laisse se reposer. Voilà. Les bonnes ancêtres de grand-mère. On les connaît. La petite esquive cette fois-ci pour... Eh, ça fait mal, ça. Oh, je l'ai chargé au max. Eh, par contre, le public a arrêté de huer. Ça me donne encore plus de force. Vous le savez pas. Hein. Moi, tu me hues. Oh, oh là, c'est fini. C'est fini. Je vous le dis. Il me l'a dit. Il a dit, après ça, c'est fini pour moi. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est maintenir pour le finisher. Randy a pourtant un finisher aussi. Hein. Il me contre, il fait RKO, c'est fini pour moi. Malheureusement pour lui, c'est plutôt fini pour lui. Voilà, il se relèvera pas. L'arbitre est déboussolé. Il ne sait plus où donner de la tête. Keith Lee, victorieux face à Randy Orton à Payback. Ça, c'est le résultat que vous aurez la nuit de dimanche à lundi. En espérant que ça vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut.